Good morning, Aleiden, les tuteurs aujourd'hui, les Lunishmat Amram, Yona ben Hana, Peggy Bat Esther, Nissim ben Ahuda, Michael Novikov, et aussi les Fouat Ruth, Bat Kolodin Traen, Asim Chabat Masoudi Betor, Charol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Edouyot, Perek, Bet, Mishnah, Chet. Shlosha Dvarim Amar Rabbi Akiva, Al Shnaim Hodulo, Ve Al Echad Lo Hodulo, Al Sandal Shal Sayadim, שהוא תמי מדרס, ועל שיערי תנור ארבעה שהיו אומרים שלושה, והודו לו. ועל אחד ולא הודו לו, על כיסא שניטלו שניים מחיפויו זה בצד זה, שרבי עקיבא מתמי וחכמים מתהרין. On va parler dans cette Mishnah de sujet de Touma et Tahara, avec deux règles très différentes, deux sujets relativement différents, les deux de la fin de la Mishnah vont ensemble en fait. Alors, ça se passe comme ça. Shlosha dvarim amar Rabbi Akiva. Trois choses a dit Rabbi Akiva. Al shnaim hodulo, ve'al echad lo hodulo. Deux des halachot qu'il a dévoilé, qu'il a dit au Bet HaMidrash. Alors, les chachamim qui étaient là-bas ont finalement été d'accord avec lui. Mais al echad, ve'al echad lo hodulo. Mais sur la troisième halacha qu'il a dit, chachamim n'ont pas été d'accord avec lui et l'halacha ne sera pas établie contre lui, comme justement. Première halacha, on va parler de ce qu'on appelle la Tumat Midras. Al sandal shel sayadim shehu tame midras. Littéralement d'abord, sur la sandale, la chaussure du sayadim, celui qui fait la chaux. D'accord ? Le sayad, celui qui passe la chaux, la chaune soud, sid, emekasidim dans la Torah. Shehu tame midras, que donc cette fameuse chaussure ou ce sabot, de celui qui passe la chaux, qui fait cuire la chaux plutôt, qui est impur par la Tumat Midras. Alors, ça demande d'abord deux petites introductions. Tout d'abord, c'est quoi la Tumat Midras? Il y a, parmi les Tumot de la Torah, il y a ce qu'on appelle le Zav, et même l'Anida, c'est la même chose, qui rendent impur tout ce qu'ils touchent, certes, tout ustensile qu'ils vont toucher, mais il y a une halakha très grave. C'est lorsque le Zav, par exemple, va s'asseoir sur une chaise ou s'allonger sur un lit, que ça prend un statut de ce qu'on appelle le Midras à Zav. Ça prend une Touma beaucoup plus forte que tout celui qui s'assera ensuite, il prendra lui aussi une Touma beaucoup plus grande. C'est-à-dire, si un Zav touchait un ustensile, par exemple, et qu'un homme le touchait ensuite, l'homme ne serait pas impur, parce que ça a réduit, le Zav, il était Av, c'est l'objet est devenu Rishon, et le Rishon ne rend pas l'homme impur. Ça rendra impur si on posera un aliment dessus, mais pas un homme, d'accord? C'est des règles, en fait, de rapport entre les Tumot. Il y a ce qu'on appelle le Maga Azav, ce que le Zav, il touche, mais il y a par ça ce qu'on appelle le Midras Azav, c'est la Tumat Mishkav ou Moshav, si vous avez déjà entendu la notion. La chaise sur laquelle s'assoit le Zav, le lit sur lequel se couche le Zav, il prend une Tumat beaucoup plus forte, au point où même celui qui va toucher donc ce lit, ou même celui qui va déplacer ce lit, sans même le toucher, sans le simple fait de le toucher aussi, alors il va devenir impur, c'est ce qu'on appelle donc la Tumat Midras. Si le Zav s'assoit sur quelque chose qui n'est pas censé être un objet sur lequel on n'est pas censé s'asseoir, je ne sais pas moi, j'ai un aspirateur devant la maison, devant mes yeux par exemple là. S'il s'assoit sur l'aspirateur, il ne va pas rendre l'aspirateur tamé Tumat Midras, parce que l'aspirateur n'est pas un ustensile sur lequel on s'assoit. Donc même si ça lui arrive de s'asseoir dessus, il ne rend pas impur. Ce n'est pas le fait de s'asseoir uniquement qui rend la Tumat Midras, mais c'est le fait que l'objet soit spécialement destiné à s'asseoir. On va parler maintenant des chaussures du Zav aussi. Les chaussures du Zav vont prendre aussi cette grande Touma, le Tumat Midras à Zav. C'est les chaussures du Zav, c'est normal, c'est fait pour être bien assis dans ses pompes. Alors ça va prendre de nouveau le statut de la Tumat Midras. Et bien, dans notre Mishnah maintenant, on va parler d'une chaussure ou d'un sabot très particulier, qui n'a pas pour but de protéger le pied en théorie. Une chaussure, ça a pour but de protéger le pied, de ne pas marcher sur des choses qui peuvent ne pas se cogner les pieds par terre, d'avoir des choses, d'avoir des clous ou du verre qui pourraient nous blesser. Donc le but d'une chaussure, c'est de protéger le pied. Eh bien, là, cette fois-ci, cette fameuse chaussure de celui qui fait cuire la chaux, c'est chaud. La chaux avec un X, c'est chaud avec un D. C'est quelque chose de très chaud, on peut se brûler. Donc celui qui tourne, qui fait cuire la chose, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait, mais au moment où il va touiller là-bas, il risque de s'en verser un petit peu sur les pieds, de se brûler, ça peut faire très mal.
Donc du coup, il mettait un gros sabot en bois qui protégeait son pied. Donc il fabriquait comme ça une chaussure en bois, bien épaisse, qui protégeait son pied. Donc la chaux tombait sur la chaussure, mais sans brûler son pied. Ce qui se passe, c'est qu'il s'avère que cette chaussure, elle n'est pas prédestinée normalement à marcher. Mais elle est plutôt prédestinée à protéger. De ce fait, elle n'a plus un statut de chaussure, en théorie. Donc, elle ne devrait pas être Tmea Midras lorsque le Zav va la porter. Elle ne devait pas prendre ce statut grave, cette Touma importante de la Tumat Midras, puisque c'est tout simplement c'est une protection externe, ça s'appelle un statut de chaussure. Alors ça, c'était ce que pensaient les Chachamim initialement. Jusqu'à Rabbi Akiva vient et leur enseigne, non, ce sera malgré tout Tamé avec la Tumat Midras, ça prendra le statut d'impureté grave, parce que c'est considéré comme une chaussure. Pour quelle raison? Parce que celui qui a l'habitude de fabriquer la chaux, lorsqu'il rentre chez lui à la maison, il ne rechange pas ses chaussures. Il rentre avec ce sabot bizarre, il va jusqu'à chez lui à la maison avec. De ce fait, il l'utilise en guise de sabot, de chaussure. Alors, ça prendra le statut d'une Tumat Midras. Telle est la première halakha de la Mishnah. Les deux prochaines halakhot, maintenant, il va falloir introduire une petite notion qu'on a déjà évoquée déjà plusieurs fois, c'est très simple. C'est que, tout d'abord, seul un ustensile ou un aliment prend la Touma. Ce qui m'intéresse de parler pour le moment, c'est la section ustensile. Un ustensile reçoit la Touma. Tant qu'il a un statut de clé d'ustensile. Mais dès que son statut d'ustensile de clé va se perdre, alors l'ustensile ne recevra plus la Touma. Même mieux que ça, s'il était impur, il va devenir désormais pur. Je sais pas moi, vous prenez par exemple n'importe quel ustensile, ça peut être un bol, une tasse. Alors tant qu'elle a un statut de tasse, alors, si un homme tamé ou un reptile va toucher cette tasse, un reptile mort va toucher cette tasse, la tasse va devenir impure. Si ensuite on va y mettre dedans des aliments, les aliments aussi vont devenir impurs. Par contre, si la tasse va se casser, alors elle va arrêter d'être une tasse, donc elle ne va plus rendre impurs les aliments qui rentreront en contact. Ça, c'est la notion très générale. Maintenant, à partir de quand on considère que l'objet est-il cassé? Si on prend une tasse et on la coupe dans le sens de la hauteur, on la coupe à moitié. Il va nous laisser maintenant une petite tasse. On va pouvoir boire un petit expresso dedans, pourquoi pas. Ouais, on peut plus boire un gros bol de lait, mais on peut boire un petit expresso. Donc c'est encore un statut de tasse. Et même si c'est pas agréable de boire dedans, on peut l'utiliser pour déplacer des liquides. Donc pour le moment, sa fonction initiale est encore là. L'objet n'a pas perdu son statut et il est resté le même ustensile finalement. Donc la Touma, il continue à la véhiculer. D'accord ? Si par contre on le casse dans le sens de la longueur, ouais, j'ai dit la hauteur dans le sens... D'accord, bon bref, on s'est compris. Dans ce cas-là, on ne va plus pouvoir utiliser cet ustensile, même si concrètement on peut encore le pencher un petit peu, mais c'est plus âgé. Donc, la destination d'un tel ustensile, c'est de le jeter à la poubelle. En l'occurrence, il deviendra pur. Voilà pour la première notion. Maintenant, on va parler concrètement, une fois qu'on a... Donc, il va y avoir maintenant tout un vaste sujet dans la Torah, de définir à partir de quand on considère que ce n'est plus le même ustensile, qu'est-ce qui va se passer si initialement on pouvait en faire un certain usage, maintenant que ça s'est cassé, on peut continuer à en faire un autre usage. Ça, c'est fréquent de parler de ça. Imaginez une belle tasse, mais avec un petit trou qui s'est fait en dessous. On ne peut plus boire de lait, on ne peut plus rien boire dedans. C'est vrai, mais on peut quand même l'utiliser, je ne sais pas moi, des fois on a envie de mettre des petits fruits, des raisins par exemple, dans un verre pour les donner à un enfant qui les mange pendant qu'il est en train de lire. Ou de voir à la télé, mais jamais on n'a pas de télé. D'accord? Donc il les mange, on va les mettre dedans. Donc finalement, il va quand même pouvoir l'utiliser. Est-ce que le fait que c'est encore un récipient qui contient va faire que la Touma va partir ou non? Il y a plusieurs règles, tout ça c'est étudié dans ma Masechet Kelim. Dans notre Mishnah, on va évoquer deux cas de figure. Et le premier cas, c'est Ve'al Shiare Tanur Arba'a. Les restes sur les Shiare Tanur, donc c'est Rabbi Akiva qui continue à nous dire que les restes du fourneaux sont établis à 4 points, 4 tfachim. Une hauteur de 4 tfachim. Shayomrim shlosha. Parce qu'au début, les chachamim disaient qu'il fallait 3. Et Rabbi Akiva est venu et leur a dit non, 4. Ve hodulo. Et chachamim l'ont reconnu. De quoi on parle? Les tanours, il y avait plusieurs sortes. En général, là, le tanour qu'on parle dans notre Mishnah, en tout cas, était celui qui n'avait pas de fond. Le fond, c'était le sol lui-même. Et sur le sol, on prenait une grosse cloche en, je sais pas, peut-être qu'elle est en argile ou je sais pas en quel matériau, et on la posait comme ça par terre. Donc il y avait le socle, qui n'avait pas de socle, c'était le parterre initial,
Et ça nous et cette cloche à l'envers là. Donc ça conservait bien la chaleur, on mettait dedans le feu et on mettait dedans du pain, soit on le collait sur la paroi, soit on le mettait par terre, chacun avec ses techniques. Ça, comme ça, on fabriquait un four. Maintenant, ce qui nous intéresse dans notre Micha, c'est le four qui s'est cassé dans le sens de la longueur. Donc en fait, il va nous rester une sorte de gros cercle épais que, tant bien que mal, ça peut quand même protéger le feu pour qu'il prenne et qu'il fasse cuire. Alors, quelle taille de reste doit-il rester pour donner à ce reste de four un statut de four? Rabbi Akiva est venu nous enseigner 4 tfachim. Dès qu'il va rester une hauteur de 4 tfachim, c'est un tefar, c'est l'équivalent de 2,6, 12 cm. Ça dépend si on prend un coup de poing de Rav Reinae ou un coup de poing du Chazonish. D'accord? Selon Rav Reinae, c'est 9,6 cm. En général, à la fin, établi comme lui, au minimum. Donc, on peut imaginer 10 cm. Donc, selon Rabbi Akiva, dès qu'il y aura une hauteur de mur de 40 cm, alors on considère qu'on a quand même un four utilisable, tant bien que mal. C'est pas le plus pratique des fours, mais ça a quand même une utilisation de fourneau. De ce fait, ça garde son statut. Initialement, Ramiel disait que ça suffisait 3 tfachim. D'accord? Ça, c'était le premier sujet. Donc, deuxième sujet de la Mishnah, premier sujet par rapport à l'introduction. Et troisième cas de figure, Ve'al, et troisième halakha de la Mishnah, Ve'al echad lo'odolo. Par contre, sur une autre halakha que Rabbi Akiva a dit, que Ramim ne lui ont pas été d'accord. Ve'al kise, shenitlu, shnaim michipuyav, ze betzadze. Il y avait une chaise, desquelles ont été pris deux des, comment dire, des lattos sur lesquels on s'asseyait, c'est-à-dire la chaise, elle est faite avec un cadre de bois. Et dessus, on met des lattes, ouais, des petites lattes. On colle des lattes de bois. Je ne sais pas de quelle largeur, c'est pas tellement précisé en fait. Ouais, ça n'a pas été dit combien il y en avait pour avoir essayé d'illustrer un petit peu mieux. Mais on va peut-être pouvoir le déduire ensuite. En tout cas, on mettait dessus sur la chaise, donc sur ce cadre-là, on mettait des petites lattes. Et comme ça, on pouvait donc s'asseoir. Ce qui s'est passé, c'est que Al-Kise Shinitlu Shnaim Michipuyav, 2D. Ripouillave de ce qui le recouvre, c'est-à-dire deux de ces lattes, ont été prises, deux qui étaient une à côté de l'autre. Donc du coup, on a eu un gros trou dans la chaise. Ouais, Zebetzadze, une à côté de l'autre. Chez Rabbi Akiva Metame, Rabbi Akiva nous disait que malgré tout, la chaise, elle reste Tmea, elle garde encore son statut de chaise. Vachachamim, Metarim et Chachamim la rendaient pure. Soit on va commencer d'abord par expliquer Chachamim, qui est d'ailleurs la halakha. Chachamim estime que si tu as une chaise, je ne sais pas combien de lattes il y avait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès que tu as pris deux lattes, on ne peut plus s'asseoir dessus. Sûrement, la chaise, elle devient bancale, on risque de tomber au milieu, je ne sais pas exactement. D'accord, ce n'est pas tellement précisé. Maintenant, dès que deux lattes ont été prises, selon Chachamim, on ne peut plus l'utiliser en tant que chaise. De ce fait, c'est plus une chaise. Si elle était impure, elle deviendra pure. C'est plus une chaise, elle a perdu son statut d'ustensile. Mais Rabbi Akiva lui vient et nous dit, non, malgré tout, la chaise reste impure. Pour quelle raison? Parce que selon Rabbi Akiva, certes, tu ne peux plus t'asseoir toi-même. Mais si tu as besoin, alors là, regardez comment ça devient intéressant, si tu as envie quand même de poser des rimonimes, de poser dessus des grenades, des fruits, par exemple, tu pourras quand même les poser, tant bien que mal. Peut-être qu'en fait, on va les poser. Non, je pensais au début qu'on allait les poser à l'endroit du trou, donc j'étais un peu étonné. Comment? Si moi, je peux pas m'asseoir, comment une rimone? J'ai un siège un peu plus large qu'une grenade, c'est un peu bizarre. En fait, non, la réponse, elle est simple, c'est qu'on peut utiliser le rimon, la grenade, on peut la mettre sur la partie de la chaise qui n'est pas encore abîmée. Donc de ce fait, la chaise est encore un clic qui boule. Elle garde encore, malgré tout, son statut qu'elle est capable d'être utilisée pour porter des choses, pour supporter des choses. De ce fait, Rabbi Akiva nous dit, certes, tu ne peux plus t'asseoir dessus, mais tu peux quand même poser dessus des légumes, en l'occurrence des rimonimes, des grenades. De ce fait, elle garde son statut. Tandis que Rami me dit, non, si c'est plus une chaise où toi, l'homme, tu t'assois, la fonction essentielle de la chaise, c'était que toi, tu t'asseyes dessus. Or, tu ne peux plus, toi, il n'y a plus aucun homme qui peut s'asseoir dessus. De ce fait, elle a perdu son statut. Et c'est la halakha établie comme Rami pour la dernière halakha, puisque Rami n'ont pas été d'accord avec lui. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.